Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Tech Live du 13 juin 2015. Ce soir, en présence de du trio complet avec Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Ironie qui est de retour. Bonsoir Ironie. Et oui. Bonsoir. Il a fini de jouer l'harmonica au ballet du village. Nous allons ce soir probablement aller sur GTA V parce que déjà de 1 ça a été demandé, de 2 le sondage a parlé lui-même avec GTA V qui était en tête. Le sondage doit se retrouver sur mon profil Twitter ou je sais pas trop où. Il doit être sur mon profil Twitter. J'en profite pour faire les rappels débiles de début de live. Vous pouvez poser vos questions et réagir avec le hashtag TechLive sur Twitter. Il y a un lien, clique tout de suite dans la description qui va vous rediriger si vous avez la flemme. Si vous n'avez pas de compte Twitter, c'est peut-être l'occasion d'en créer un pour découvrir la magie de cette plateforme sociale. Alors aussi, autre chose importante concernant GTA V, il y a une mise à jour qui a été faite. Je réponds à un message. Le non-respect. Il y a une mise à jour de GTA V de 500 mégaoctets que je vais essayer de lancer petit à petit de temps en temps par quelques 5 secondes parce que comme vous le savez, il suffit que j'upload trop ou que je DL trop pour que ma connexion se transforme en espèce de, comment dire, merde intersidérale. Merci Numéricable au passage. Voilà, je peux pas faire, je peux soit uploader, soit télécharger, mais pas les deux en même temps. Parce que la fibre de Numéricable est beaucoup trop puissante pour faire les deux en même temps, c'est bien connu. On va probablement aller sur GTA V, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag TechLive. Pierre m'a effectivement fait rappeler que j'ai pas assez parlé de la chaîne où sont maintenant les rediffs des TechLive. Donc les rediffs, et vous pouvez aussi retrouver les best-of, d'ailleurs si vous avez la grosse flemme comme moi, vous pouvez aussi retrouver les best-of en fait qui sont réalisés par... Attends, il y avait deux personnes qui faisaient... Pourquoi j'ai oublié leur pseudo, fuck. Il y a deux personnes qui créent des best-of de temps en temps quand ils s'ennuient. Et du coup, vous avez les best-of de ceux-là. Et c'est les best-of, les autres sont de... Attends, je vais retrouver. Donc voilà, en tout cas sur cette chaîne, vous avez les rediffs et les best-of. Oui, c'est Tom, voilà, c'est Tom qui fait aussi des petits best-of. Donc des fois, pour certains lives, vous avez même deux best-of, si jamais vous envoyez des petits best-of plus ou moins longs. Et cette chaîne doit être dans la description du live. En fait, le seul intérêt, c'est de... Si jamais vous intéressez pas trop au Tech Live et que vous voulez pas voir les rediffs, que ça vous intéresse pas ce genre de choses, vous avez pas besoin de vous abonner à cette chaîne, elle est vraiment là juste... pour qu'elle soit en ligne et disponible, sans aller polluer, entre guillemets... ma chaîne perso en fait, puisque c'était actuellement le cas et elle polluait d'un côté la chaîne perso, même si je les mettais en non répertoire au bout d'une semaine, et elle polluait aussi mes stats à cause des fidélisations de l'audience, blablabla. Enfin bref, c'est tout un bordel, donc il y a cette chaîne là maintenant. Voilà, ban please. Ah, il faut que je banne des gens, ouais, j'adore faire ça, c'est trop génial. Ouais, donnez-moi en plus. Ban. Mais j'ai déjà ban un mec qui faisait de la pub avant, je trouvais ça drôle. Alors, où est le... Où il est? Ah, il est là! Ah ouais, c'est pas mal. Bloqué. Mais c'est bien, parce que le nouveau chat YouTube, du coup, il bloque pas les gros mots. On peut s'éclater, c'est génial. MDR. C'est trop chiant. Tu veux que je te dise la... Tu veux que je te dise la bonne nouvelle? Dites-nous. J'ai pas lancé OBS en tant qu'admin. Du coup, je peux pas capturer GTA V, faut que je relance OBS. Le génie. C'est trop un génie, mec. Oh, putain.
suis trop un génie. Alors du coup, on va couper pendant quelques secondes. Et on revient parce que du coup, faut que je coupe. À tout à l'heure. Bah non, mais habituellement. Habituellement, ce qui se passe, tu cliques dessus, c'est que dans mes propriétés, il est censé avoir une case cochée, exécuter ce programme en tant qu'admin. Elle n'était pas cochée. Et c'est une vilaine quand même. La pute. Oui. Ah, c'est une vidéo. Mais même. Moi je vais attendre pas. Si je devais prendre une carte Nvidia, là je préfère attendre Pascal à l'heure actuelle. Je joue pas suffisamment ces derniers temps pour justifier l'achat d'une nouvelle CG. C'est qui le gros machin qui m'est rentré dedans là? Ah bah forcément! C'est ironie! Non bah attends là, là. Pourquoi je... Et il arrive avec des bagnoles de flics au cul, non mais attends. Fais une entrée. Non mais oh! Eh hey, mes vitres là! Et voilà, il me casse tout là, wow! Eh ça y est, j'ai tout cassé! J'aurais dû me mettre en passif, putain. Regarde mon derrière comme il est éclaté. Moi je fais quoi là? Je suis défiguré avec cette merde. Putain. Enfin, je sais pas comment on dit quand on a le derrière. Enfin bref. Estropié? Ouais, c'est ça, c'est le mot. Essaye de pas me péter le reste parce que. Ouais, ok, d'accord, je vais rien dire. MDR quoi, please! Ma portière! J'ai perdu une portière! Faut que je la retrouve. Merde, pourquoi j'ai une étoile du coup? J'ai rien fait moi, je me fais juste rentrer dedans. Enfin je sais pas. Où est le respect? Non! Attends, t'es en train de me... T'as vu comme tu me... Ah, je suis mort par contre. Ah t'es mort? Ah on m'a tué. Ah non, bah qui c'est qui t'a tué? Ah c'est Jojo, non. Oh le vilain. Oh le vilain, mais attends je vais regarder des questions en attendant. Du coup je me suis bien fait poutrer là, faut que je fasse une pause. Aujourd'hui, j'aurais pu avoir un beau petit 54460, une Z97 Gaming 3 et SA910, mais ma CB m'a dit nope devant la caisse. Bah oui, c'est plutôt évident. Ça arrive, ce genre de choses. Ah bah toi aussi t'en as une un peu plus loin. Oh non mais moi c'est bon hein. Y'a que des minis sur le parking mec, y'a 4 minis sur le parking. J'avoue. Alors, il y avait The Mister Dash qui demandait 980 Ti, belle réussite. Globalement oui, c'est une carte qui est très chère mais qui est globalement pour l'instant bien placée. Après il faudra voir en fait ce que va répondre AMD à ça, parce qu'ils vont sortir là, des cartes Fiji, enfin des cartes de la mort aussi qui seront extrêmement performantes. Mais il faudra voir comment AMD va répliquer. Ouh, Bosso. Ah, on a le centre de gravité de la voiture qui est un petit peu trop devant. Petit. Ok, d'accord. Donc il y a un avion qui a tenté le même jump que nous. Tout va bien. C'est bon, on est et ok. On est là. Et... Du coup, on rentre. Attends. Bah, on attend un peu les autres gens. Enfin, là, il n'y a pas beaucoup de mini, c'est pas rigolo. Fais quelle touche le chat de nouveau T. Ah, c'est plutôt original. Ça veut dire talk. T, chat, talk, ouais. Ah, il y a une arrivée de Jérôme en délicatesse. Ah. Oh. Tout à fait. Tout le monde qui arrive. Ouais. Alors, est-ce que mon flux est bon? Le flux est bon, messieurs et mesdames. C'est excellent. Je regarde juste combien d'étoiles sur le l'issue EAP Sim. Mon dieu, que 160 étoiles. À chaque précédent. Et c'est parti. Ah, on rentre. Oh oui, c'est beau. Ouh, les égouts, le ténèbres. Regarde les halos lumineux derrière quand même, comme c'est bien fait. Oh, j'avoue. Ça suit derrière? Attends un peu, attends. Trace pas, mec. J'attends. Entre les gens qui te rentrent dedans, etc. C'est vrai. On va se rentrer dedans quand on est en passif. L'aile. Alors, il y a Choupinoux qui demande bonsoir. Non mais freine vraiment, arrête. Ouais, j'ai il s'est arrêté. Et à propos de Windows 10, installer direct après la sortie ou attendre? Attendre peut-être quelques jours, voir s'il n'y a pas des gros bugs de premier jour de sortie. Mais sinon, faudra faire rapidement hein, parce que ça s'annonce. Attends, je vais remonter. Parce que je vais aller les chercher quand même parce que bon... Ah, il y en a qui arrivent à suivre quand même. Ah, tu remontes. Alors mais c'est bon, ça suit. Ça suit hein. Ah oui, ça suit, ok, c'est bon. Nous pouvons continuer notre progression dans ce tunnel des enfers. Magnifique, n'est-ce pas? C'est parti.
Mais c'est bien ce tunnel quand même. Hein. C'est rigolo. Hein. Et attends, ça c'est que le début. Hein. Ah sérieux? Ah oui, attends, le tunnel, après c'est rigolo. Hein. Avec Pierre, on s'est bien amusé toute l'après-midi. Oula. Ne sors pas ça hors contexte, s'il te plaît. Avec Pierre, on s'est bien amusé, putain. Les NDR. Il y a un petit peu de lumière. Regarde, c'est pour ça qu'il faut des mini. Ah ouais, il y en a qui vont pas passer en fait. Bah c'est l'hélicoptère, ça. Non, il va pas passer effectivement. Ah oui, hein. Voilà. Par exemple. Mais c'est un putain de labyrinthe ce jeu. On prend celui de gauche, Pierre ? Ouais. Ah oui, il est plus étroit. Eh mais j'avoue, les reflets de lumière, c'est super fou. Oh oui. Pas mal. Mais Pierre est un peu mauvais, donc il s'est un peu... La gueule. Et pas mal. Ah mais c'est pas mal ce truc. Petit tonneau, au calme. C'est bon, ça passe. Non, ça passe évidemment. Donc là on est dans le métro en fait. Les gens, oui exactement, exactement. Les égouts mènent au métro. Oui. C'est logique ça, non? Mac Motor tue des gens. Vous pouvez vous mettre en passif. Let's way. La photo de Madception avec la phrase, ça la rend forcément. Oui, voilà. Alors, il y avait Arthur qui demandait est-ce que c'est possible de est-ce que c'est toujours possible de tenir une 770 de giga Twin Frozer d'occasion? Probablement. Un modèle peu courant, mais pas neuf. Oh, il y avait. Attention. Oh, tu t'es pris un sepoto, mon gars. Mais regarde, parce que regarde à gauche, Yanis. Ah merde. D'accord, ok, je comprends mieux. Fais c'est attention, Hiro. Hiro, fais attention quand tu veux. Tu sais, tu peux prendre l'autoroute aussi. Après, on peut remonter, mais. Tu peux prendre l'autoroute aussi. Hein. Non, il faut rester sur les rails. Ah bah alors, remonte c'est sur les rails. C'est plus rigolo, parce que regarde, là, ça va descendre un petit peu. Ah, fais gaffe au virage aussi, Pierre. Et du coup, moi, moi je suis fixe là, en fait. Hein. Oui. Il faut que t'avances. Attends. Ouais, il faut qu'on avance, mais là, on va retourner dans le tunnel, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, pour GTA 5, si vous voulez nous rejoindre, vous avez le crew Tech Live qui vous permet ensuite de rejoindre la partie sur laquelle nous sommes. Puisque, en théorie, c'est une partie... C'est parti. Oh là, fais attention à ce que tu fais, mon gars. C'est dangereux. Bon, on y va en marche arrière. Du coup, il y a des lumières rouges de partout, NDR. Je sais pas, ça clignote. C'est genre dans le métro, comme ça, genre alerte rouge. Intrusion. C'est pas mal. Mais ces tunnels sont vraiment faits. Oh mon dieu. Ah mais du coup il y a des stations de métro et tout, voilà. Oui, on passe à côté. On peut prendre des gens. On peut prendre des gens, effectivement. C'est un concept. Il y avait, je ne trouve plus la question, c'est bien ça, c'est très malin. Il y avait Bobcat qui demandait un bon ultrabook moins de 500€ pour surfer vidéo 1080p un peu endurant. Alors, étant donné que t'as mis le petit point un peu endurant, ou pas mal ta conduite, pas mal ta conduite. Je serais tenté de dire les Ultrabook ThinkPad de Lenovo, qui sont assez bruts, mais ils en ont un à 500€ avec un petit 3-4Go de RAM, tranquillou. Ah, pas mal. Non, si, ça passe, ça passe. Non, mais ça passe easy. Par contre, pourquoi Pierre est mort? Mais qu'est-ce que t'as fait, Pierre? Comment est-ce que t'es mort? Pourquoi tu meurs? Il est mort. Mais oui, il a succombé. J'étais sur le plafond, puis j'ai touché un truc, je sais pas ce que c'était, mais ça m'a... Ça a explosé. Ah mince, mais je m'attendais pas à avoir un truc sur le plafond, putain. Ouais, ça m'est... Non mais oui. Alors... Ce virage. 4 nouveaux tweets. Ah déjà? Oh, c'est rapide. Ça va très vite. Alors, il y a Nevar qui demandait... Nevar. Une GTX 970 référence à 350 francs, ça vaut le coup. C'est des francs suisses, je suppose. Ça fait, je crois, ça va. Ça dépend quel modèle c'est. De 350 francs suisses, je sais plus combien ça fait d'euros. Ça doit faire dans les 400, peut-être plus. Si c'est 400, ça peut encore aller si c'est un modèle custom. Elle est un peu pétée la voiture, non? Non, c'est une toute mini. Il est bloqué. C'est qui lui? Je sais pas. Mais il est bien bloqué là, ouais. Bah, je pense que nous on va bien continuer d'avancer, comme ça au moins. Est-ce qu'il y a des gens qui ont à peu près réussi à nous suivre? Non, il y a presque personne, je suis tout triste. Mais faut apprendre à conduire un peu, bordel. Pourtant pas compliqué. Ah, ils ont pas réussi à suivre. Pourtant on n'allait pas très très vite, on les a attendus. Mais tout le monde aurait dû se mettre en passif, je pense, pour éviter les collisions, etc.
Oui, oui, coup, mais on était principalement en passif quand même. Ouais. Attention au poteau. Voilà, pardon, excusez-moi. Le mec, il peut esquiver le poteau. Non, mais il va tout droit pour se le prendre. C'est mon poteau. Oui. C'est le mien. Ouais. Il est où, Pierre? T'arrives à nous rejoindre, Pierre, ou pas? Ben, j'ai explosé. Ah, pour répondre à Jordan, c'est l'un ou l'autre. Ça peut être un... Fais attention, Hiro. Fais attention. Ça peut être soit un problème logiciel, soit un problème matériel quand le pilote ne répond pas. La première chose à faire, c'est de le désinstaller entièrement via le pod config ou via le gestionnaire de périph. Et de le réinstaller propre. Et pas la version bêta. Parce que si tu as ce genre de crash, vaut mieux pas commencer à foutre une version bêta de ton pilote. Est-ce qu'une surface 2 à 70€ est intéressante? Pourquoi 70€? Pourquoi le mec? C'est 70€? Pourquoi quelqu'un vendrait une surface 2 à 70€? Parce que c'est très peu cher. Bon, après, ça dépend quelle config elle a, mais si c'est Windows RT, par contre, bah, déjà ça pue la merde. Ouais, enfin, 70€, ça va. Oui, ça va, mais c'est Windows RT, t'as aucun avenir avec un PC comme ça. Windows RT va complètement être abandonné, donc. On va commencer à acheter une tablette avec Windows RT. Enfin. Ah, pas mal celui-là. Pas mal. Pas mal de virages. Oh, c'est. Eh, mais voilà. C'est. En fait, le moteur de cette voiture est à l'arrière ou. D'accord que le moteur était censé être à l'avant. Oui, normalement, effectivement. Comment on avance? Je fais bien de le remarquer. Comment on avance? Les roues. Tu pédales, toi, là? Je crois, ça doit être ça, en fait. Je suis en train de pédaler, ah, c'est ça? Ouais. Ouais, je pense que je pédale, en fait, parce que je vois pas d'autre explication à notre avancée. Oh, c'est le bout du tunnel, déjà? Oui, c'est... Bon, on peut passer par là. Ah, bon, calme. Il y a qu'une voiture qui peut passer par là. Et c'est la Mini. C'est la Mini. Voilà, le côté faufilage, tout ça. Faufilement, peut-être. Côté utilitaire de la voiture. Ah, hop. Il fait doucement, quand même. Oui, je ah oui, genre, il y a même des stations en travaux et tout sur ce jeu, c'est un truc de malade. Oh là, bah tout le monde a réussi à retrouver. Ah, une montre vivant. Le galet? Non, c'est... Oui, oui. Pebble. Pebble. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. Ils ont pas fini le tunnel. Je sais pas, on sent des explosions en haut. Ouais, c'est... Mais je sais pas qu'est-ce que ça va être par là. Mmh. Wow. Une zone de chantier, what the fuck. Je crois qu'on est retourné là. Mais c'est une petite magique, physique les magique. Les physiques magiques de ce jeu font que... sont exceptionnels. On est toujours partant. C'est pas mal quand même. T'as vu la grosse montée là. Mmh. Ah, il y avait Gabriel qui nous disait... vu que j'ai été accepté en BTS, je pensais changer mon vieux PC portable de 2006. Tu me conseilles quoi niveau performance prix? Alors ça va beaucoup dépendre de ton budget. Yoga 2. Mais en PC portable en ce moment, ce que je trouve sympa. Yoga 2. Yoga 2. Ouais, évidemment, les Yoga 2 qui sont excellents. Fiabilité maximale. Fais attention au char quand même. Bon, à la limite, on pourrait se prendre un char. Il y en a un là-bas. Normal, on résiste un peu. Normalement, on résiste un peu avec ça. Comment tu veux résister à un tir d'obus? Bah, avec ça. Tu résistes pas à 10, mais 1 ou 2. C'est du blindé, c'est du costaud. Ouais, mais quand même, enfin... Regarde, le tir dans 3, 2, alors. 1... Et... Attention. Et il s'est pas visé. Coucou. Mais y a 4 chars, Fais gaffe, parce qu'il y en a quand même beaucoup, là, des chars. Ouh. Oh, mais on résiste, what the fuck. Oh, ah oui. Le deuxième. Saute, mon gars. Ah, ça c'est un saut raté. Et what? Ah, on s'en va moyen. On va essayer de... On s'en va pas trop là. On va essayer quand même de trouver un char vide. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois pas qu'il y ait des chars vides. Mais ça pète. Et ça pète de partout sa mère. Hein. Après, ils se tuent entre eux, ils se tuent entre eux. Sérieux? Ah oui. Ouais, ils se tuent entre eux. Ils veulent naviguer entre eux et puis ils sont un peu bêtes. Ah, c'est un peu con ça. C'est un peu. Oh là là, deuxième. Plus qu'un? Ouais. Normalement, au troisième ou quatrième, on explose. Ouah. Troisième, on fume. Ah on oui. Fume ouais, ah oui. Fume au KLM. Je vais essayer la petite extraction. La petite extraction. Oui, alors... Va à gauche. Oui, il va plus vers la gauche parce que... Ok, il sent pas les couilles de ce qu'on lui dit. T'as rien. Je sors du... Ah!
du truc pour aller réparer et reventrail. Réparer. Comment tu veux réparer ce truc? Oui. Bah, je l'amène chez un mec et je fais yo, négro, répare. Oh là là! Il a dit des gros mots. Son YouTube recompresse donc. Oh mon dieu! Si tu rates, tu me vois. Et non. Oh putain, mais quel fail. Oh là là, mais quel fail. Oh là 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 là. Mais on est dans le fossé là. Ah, j'ai une bombe collante sur moi. Ah, c'est pas une bonne nouvelle. Hé les potes, j'ai une bombe collante sur moi, ça vous dit ça fait quoi si vous appuyez sur ce bouton là? Là tu auras pas du méca. Oh mais quel thug. Oh pas mal. T'auras pas du méca à 70€, enfin plus à l'heure actuelle. Eh mais c'est génial les bombes. Moi, par contre faut qu'on perde les étoiles avant de rentrer dans le truc, du coup essaye juste d'arrêter de tirer en attendant. Je peux balancer des bombes encore? Non, balance rien. Je peux leur faire des fucks. Après. tiens. Le mec qui passe son doigt par... Voilà. Allez, pédophile de garage. Hop. Et la voiture est trop grosse. Là. Elle rentre même pas. T'as pas réussi à passer par-dessus? Ici. Hop, voilà, maintenant tu peux lâcher des bombes et faire tout ce que tu veux. Nickel. Alors attends, le Be Quiet pur rock, bordel. Oui, allo Hiro? Ça va bien Hiro? Il nous entend? il est vivant? Mais bien sur Skype Hiro, on est mieux. On est mieux sur Skype. Ah, mais il est sur le quoi DS. Mais t'arrives pas à rejoindre? Moi je tu veux que je te rajoute à la conf Skype? Comment ça elle arrive pas à rejoindre, du coup de ma gueule? Ok. Yanis essaye de le rajouter à la conversation Skype avec apparemment. Plaisir, monsieur. Alors attends, exclude la belle. Ben non, c'est que toi. Bah c'est que lui. Vas-y, on t'a ajouté. Vas-y, reviens, ouais. Voilà. Voilà, monsieur est de retour. T'as fait quoi, sérieux? On est quand même mieux sur Skype qu'au téléphone. Oui, effectivement. Ah, tu l'as appelé. Ah, mais oui. MDR en fait, à l'ancienne. Mais oui, à l'ancienne. Le téléphone, au moins, ça fonctionne. Mon dieu. Ouais, mais c'est ma co, je sais pas, elle a fait des bêtises. Non. Mais t'es chez Orange, je te rappelle. MDR. Oui. Orange, MDR. Arrêtez de se moquer. Livebox, MDR. Chut. Globalement, ça me fait marrer. Arrête de m'enfoncer dans mon malheur. Moi, ce qui me fait juste marrer, c'est que globalement, il y a que des vieux qui sont abonnés à Orange. Je sais pas si ça va. Oui, c'est vrai. Hiro, t'es un vieux. Ah oh non, je me suis pris le fossé. Non. Mais j'ai regardé. Non, mais c'est pour la chaîne du sport. Ah, le fossé. Ah, le fossé. Ah, mais comme il t'a enfoncé. Mon dieu. Ah, mais il t'a enfoncé. Non, mais en plus, fond, surtout que Eurosport n'est plus sur Orange. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, Eurosport, c'est que sur CanalSat. Alors. Ah, il y a une question pour toi, Yanis. Intéressante. Enfin, oui. IRL, du moins. Tu fais quoi pour gagner ta vie et te payer tout ton matos? Alors, là, le matos que j'ai actuellement, parce que là, récemment... L'argent. Là, récemment, en fait, j'ai pas réinvesti dans le matos de mon PC. Enfin, ça se voit, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé depuis quasi un an. La dernière upgrade que j'ai fait, c'était l'été dernier. C'était l'hiver, il y a un an et demi environ, où j'ai changé... je suis passé sur du Aswell, etc. Ouais. Donc du coup, sur ces belles questions, merci de nous avoir suivis jusque là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous mentionner sur Twitter plus tard, ou surtout à mentionner Pierre, il va être content. Et Hiro. Ouais. comme ça, ils vont vous balancer des liens Amazon et ils vont se faire un max de boulasse. Ouais. Voilà. Les thunes. La richesse. Donc voilà, sinon vous pouvez garder vos questions pour la semaine prochaine, c'est évident, c'est richesse, toujours là. Richesse. On vous souhaite une bonne soirée en tout cas. Des bonnes révisions pour ceux qui sont en période de révision. Mais non. Et rendez-vous la semaine prochaine du coup. Allez, ciao. Salut tout le monde.